Ah, c'est juste sur ma droite. La température est de retour à la normale. Premier combat de la partie, je viens de m'en rendre compte. Si bien que j'avais pas du tout mes compétences mises en place correctement. J'étais pas sur le loadout auquel je m'attendais. Il y a du minerai un peu plus bas. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. C'est trop moindre ici. Semble être là-haut, le mieux. Il ne manque pas un peu de manœuvrabilité, votre véhicule? Je vais faire demi-tour si vous continuez. Et de l'élément zéro. Ok, donc c'est là le truc de la gare. Oh, du méridium, je crois.
on a trouvé du beryllium. Je détecte un datapad dans les environs. Ça, c'est le premier qu'on peut scanner. Viper 3. Bah, c'est cool, j'avais un Viper 2. Ah non, j'avais déjà un Viper 3. Faut juste le prendre. Ah, non. Mon truc de fonte. J'ai indiqué les coordonnées du nouveau site de largage. Le ravitaillement est prévu pour aujourd'hui, donc ne tardez pas. Si les étoiles sont de notre côté, vous y trouverez de la technologie de bouclier. Je dois vous rappeler d'opérer avec discrétion. Vous ne devez révéler votre mission à personne. Si Ephra apprend qu'on est en train de monter une réserve, il prendra des mesures. Il faut continuer comme ça aussi longtemps que possible. Que les cieux vous protègent. Axul. Axul ? Quelqu'un que je devrais connaître ? Cette conversation attendra un moment plus propice. Pionnière, j'ai informé Olisk que le site de largage était sécurisé. Bien, la résistance devrait pouvoir être approvisionnée maintenant. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Apparemment, il n'y a pas grand chose ici. Tenez des minéraux. Bon, bah, on va aller là. Hein. C'est pas ce que je voulais faire. Pionnière, je détecte des cartes parmi ces rebuts. Ce que je voulais faire, c'était... possible juste placer un point de repère, c'est tout. Non. Voilà. Juste derrière ça. On va passer plus par là-bas. Quoi, ça c'est...
Oh merde! Et je voulais scanner moi! Pour ma recherche! Ah, il y en a un autre! Faut le scanner de son vivant alors! Pionnière, je détecte un Cankert à proximité. Galorn. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur le truc? Mammifère, créature immense dotée de sabots, dont la peau semble luminescente, planche blanc dehors, sa tête. Bon, il loot pas grand chose à première vue. Il y a même une physique de glissade. Minéral non répertorié dans les environs pionnières. Ce serait bien que je le repère avant de descendre du véhicule. C'est le point de repère que j'ai mis, ça. Ah, donc il est plus de l'autre côté. Maintenant, on va à la quête. Bienvenue sur HOT. On va aller aux lumières rouges, je crois. Quelqu'un a besoin d'aide ici. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Nos archives racontent que Völd était autrefois couverte de prés fleuris, avec des couleurs pour lesquelles il n'y avait même pas de nom. Pensez ce que vous voulez, mais je trouve cette planète magnifique. C'est quelque chose, ces nuages. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation, pionnière. Je détecte une température normale, pionnière. Il y a un camion Kert, ça. De la glace. Qu'est-ce qu'on a? Armure, rôdeur, ok. On va toujours le détruire. Ah, le bloc de glace aussi. Oh, 96%. Chlorure de sodium 3. Élément inconnu 1%. D'argon, hélium, xénon, ézo, consommation 40 détectée. En tout cas, ceux qui viendront sur cette planète ne manqueront pas d'eau. Clairement. Si on peut y établir un avant-poste. Cristal en garde. Ouais, super.
Ah, j'y pense, j'ai assez de points pour me faire mon sniper. Angara. Ça rapporte des points, ça, c'est abusé. Iridium, il y en a plein ici. Dire que j'ai galéré à en trouver tout à l'heure. Enfin, hier. J'étais en train de pleurer parce que je trouvais pas certaines ressources. En fait, elles étaient sur cette planète. Marchand, connaître. Rien de spécial là. J'espère que dans le prochain Mass Effect, ils arrêteront le scan. Ça devient relou de scanner tout ce qui traîne. J'en ai marre. C'en est maladif. C'est abusé. Ça doit être à l'intérieur là qu'il faut scanner. Je crois que nos chercheurs forcent cette glace pour l'étudier. Quelqu'un par ici sait sûrement à quoi sert cette glace. Comment se passe le forage? Ça m'étonnerait que ce soit pour faire des rafraîchissements. Le temps s'y prête pas. La glace est trop épaisse. Avec un équipement de meilleure qualité, on aurait fini depuis plusieurs jours. Parlons au main personnel du coin, c'est-à-dire lui. On ne peut pas attaquer une basse carte comme ça. Donc tu vas abandonner Nilj? C'était ton meilleur ami. Non, je dis juste qu'il faut qu'on y réfléchisse. Qu'on contacte Buxil et qu'on élabore un vrai plan. Le temps que tu élabores ton plan, il pourrait être mort, ou pire. C'est vous, l'alien dont tout le monde parle. Certains disent qu'on ne peut pas vous faire confiance. Mais si vous êtes là pour combattre les Kert, ça me suffit. Merci de me faire confiance. Les Kert tuent des gens. J'ai enlevé les casques pour la discussion, Et on ne les revoit jamais. Pour cette planète, quand même. Tous ceux qui se battent contre ça doivent bien valoir mieux qu'eux. Parce qu'en gros, on est dans des zones safe quand on discute. Je sais où se trouve le camp de travail où ils ont emmené mon oncle. Ils ont des camps de travail. À quoi sert un camp de travail, Kert? À plusieurs choses. D'abord, ils mettent les gens dans des cages. Parfois, ils les font travailler. Des fois, ils rassemblent des Angara jusqu'à ce qu'ils en aient assez, et puis ils les emmènent ailleurs. Et d'autres fois, ils se contentent de les tuer. C'est comme ça que mon père est mort. C'est horrible. Je suis navré. Ça sert à rien d'être navré. Évitez-moi plutôt de perdre un autre membre de ma famille. Je vais sauver votre oncle. Voilà les coordonnées du camp de travail. S'il est encore en vie, quoi. Dépêchez-vous, il lui reste peut-être plus très longtemps. Ok, donc il est allé au centre de détention Kert. Ok. Donc ce que je vais faire, oui, c'est désactiver. Au moins pour les conversations sur cette planète. Casque Rider, si équipé. Désactiver conversation. Désactiver conversation. Alors je lui ai dit que je ne pouvais pas effectuer un forage correct si mon équipement était tout le temps en panne. Quelqu'un a dit avoir vu une alien débarquer à la base de la résistance. Et vous voilà. Oh, j'aurais bien discuté. Par les cieux. Mais il faut que j'arrive à faire marcher cette saloperie de machine. Il pourra faire bouger les choses. Ça fait des jours qu'elle capte des interférences. Ça a pas du tout enlevé le casque, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas transmettre mes données à nos collègues de Tellara. Je peux faire quelque chose? Peut-être. Je pensais pas que nos machines vous seraient familières. Il faut que je fasse une pause, sinon je vais finir par tuer quelqu'un. Si ça vous tente, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ah, faut sûrement en parler avec la console, vu que j'ai déjà tout scanné. Un dispositif de communication à haute puissance, sans doute destiné à couvrir toute la planète.
D'accord. Et ces interférences dont le chercheur a parlé? Je détecte un signal. Il est faible, mais cet équipement est très sensible. Pionnière, j'observe également un schéma régulier dans ce signal. Il est peut-être d'origine artificielle. Ce serait les Kertes. Les Kertes perturberaient nos transmissions. Il faut qu'on se penche là-dessus. Je vais capturer. On m'a dit qu'une alien rôdait par ici. Tenez-vous à carreau. On est tous formés au combat et prêts à mourir pour la résistance. Salut Hitman Bezedash. Évitez de perturber nos sondes. Nos recherches n'ont peut-être pas beaucoup de sens pour vous, mais elles nous sont précieuses. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Les mouvements glaciaires, la sismologie, le climat, tout ce que nous demande Aya. Comme nos ressources sont limitées, nos chercheurs sont très polyvalents. Mais au moins, on est paré à toute éventualité. C'est vous qui dirigez cette station? Je suis le chercheur en chef. J'ai travaillé comme sismologue sur Aya avant de me porter volontaire pour être muté à Jara. Vous vous êtes porté volontaire? Comme tout le monde. Aya, c'est bien, mais toute cette verdure, ça devient vite lassant. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais envie d'un peu d'aventure. Jusqu'ici, Völd est à la hauteur de mes attentes. Il y a toujours une nouvelle montagne à escalader. Cette station existe depuis longtemps? Seulement quelques années. Les Kertes occupaient ce territoire avant que la Résistance les chasse. On a découvert des ressources d'une grande richesse que les Kertes gardaient ici. Des métaux, des minéraux, même une nouvelle variété de champignons comestibles et résistants au froid. Tout ça, c'était caché sous la glace? Et ce n'est pas tout. On a fait qu'effleurer la surface. Je repasserai si j'ai d'autres questions. Je ne bouge pas d'ici. On voit pas souvent des gens comme vous par ici. Mais mes amis d'Aya m'ont beaucoup parlé de la pionnière. En bien, j'espère. Pour l'instant, oui. Vous avez assez de clients par ici? Je m'en sors. Le truc, c'est de pas rester trop longtemps au même endroit. Je voyage entre ici et Tekix. De temps en temps, je vais même jusqu'au camp de la Résistance. Ce n'est pas trop risqué avec les Kertes dans les parages? J'ai eu chaud une ou deux fois, mais ils ne m'ont pas encore attrapé. Les étoiles sont de mon côté. Je vais jeter un coup d'œil à vos marchandises. J'ai des tas de choses intéressantes. Je demande qu'à vérifier ça. Armure de rôdeur Angara. Oh, ma cam, ces trucs-là. Là, c'est des mods. Ok, bah elle a rien. Par contre, je peux toujours lui vendre mes trucs à recycler. Merde, attends. Voilà, entrée. Re Carter. Je ne sais pas quoi faire que. Rapport de terrain. Ok. Alors, voyons voir les quêtes qui nous proposent. Le camp et... Merde, c'était quoi l'autre? Trouver le signal. Une sorte de signal. Mission d'Eleus. Völd. Fréquence. Rechercher la source de la fréquence. C'est où ces trucs? Ah, c'est super loin. C'est super loin ces trucs. Donc je pense pas que ça soit les trucs les plus proches. Je pense pas que ce soit les trucs les plus proches. La fréquence. Dans cette zone. Ça me va. Pour l'instant. Fournisseur disparu sur Völd. Ah, ça m'intéresse. Centre de détention Kerk. Il est là. C'est parfait. Le déclencheur de souvenirs juste ici.
Bon, on va aller chercher le déclencheur de souvenirs, comme ça on va mettre le minerai, et après on ira faire les trois points qui sont là. Est-ce que je le vois par pur hasard ? Non, il est en haut de la falaise. Je dois pouvoir l'escalader par là. Nouvelle planète potentiellement habitable. Que s'est-il passé depuis ? Ouais. Donc on a rencontré la résistance des Angara et ils nous disent ben aidez nos résistants et peut-être qu'on deviendra vos alliés quoi tout simplement. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va les aider à défendre leur planète. Apparemment normalement c'est une planète recouverte entièrement d'eau. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous et là, extraire des minéraux tout a gelé. À votre interface minière. Là, ce qui s'est passé, c'est que tout a gelé. Ça fait longtemps que les Angara combattent les Kert. Ça doit leur sembler une éternité. Mais ils possibilité de faire fondre si on trouve le caveau de la planète et qu'on je le désactive. Le monde sans Kert. La résistance se bat pour que nos enfants connaissent un jour la liberté. Ou qu'on l'active justement. Et au passage, se débarrasser des Kert qui habitent sur la planète. Et si on désactive le caveau, il y aura peut-être la possibilité de mettre une base. Ça serait sympa. Plein de cuir et d'éléments zéro là aussi. Sam, un autre déclencheur de souvenirs ? En effet, mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. Ok, le déclencheur de souvenirs, c'est fait. On va voir si on trouve pas un peu de minerai encore en plus, on sait jamais. Ça ne coûte rien. C'est ici pour la mission de contre Spender. Non, Carter, contre Spender, ils m'ont mis en attente. Bon, je crois que ça va redescendre. Ouh, attends. Non, c'est pas de ce côté-là. Ah non, il y en a juste ici, mais c'est pas beaucoup. Ouais, bon, vu que j'ai rien de spécial. Les minéraux sont épuisés dans cette zone. Allez, on va faire nos quêtes. Non, c'est pas leur environnement habituel, non. Il semblerait que ce soit plus quand même les contrées tropicales pour eux. Avec très grand soleillement. Je parierais même que pour le coup, ils seraient plus... ils aimeraient plus vivre sur Eos. Apparemment, ils ont besoin de la lumière.
pour que tout se passe bien chez eux. Ils ont besoin de la lumière du soleil. Donc là, on a cherché le fournisseur disparu. Ici, aller au centre de détention Kert pour libérer le pote du mec qui est là. La source d'interférence pour les scans de leur machin. Donc on est bon là. On va aller droit là-dessus. Faut suivre le chemin. Je suppose qu'il va falloir détruire ça au passage. Je pense qu'on va le faire au passage. Ça me... Juste faire une petite sauvegarde parce que ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Ça faisait presque 2 heures qu'on n'avait pas sauvegardé. Ça doit grouiller de Kert dans le coin. Oh merde, je suis con, j'ai pas la bonne arme. Merde, oh, c'est pas ce que je veux faire. Mon inventaire est plein. Je détecte une diminution de la température. Quoi ça? Un fusil d'assaut, on dirait bien. Comment je déconnecte ce truc? Où est la console pour désactiver ce truc? La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. L'appareil de forage Kern, en jugé par sa vitesse et sa puissance, mieux n'est pas de récupérer un échantillon à la couche de la glace, ou plutôt de traverser pour atteindre quelque chose situé dessous. L'opération devrait prendre plus d'un an si elle se poursuit au même rythme. Ah ouais, donc en fait on s'en tape. Je détecte une diminution de la température. Ok, ça fait rien.